Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé je peux me voir en toi. Je suis ta corps. Aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Bravo, bravo. Très belle, ma chérie. Ça va, ma chérie, t'es toute belle. Merci beaucoup. Hey. Bonjour, ma chérie. Comment ça? Ça va, ça va. Tu vois le soleil que le Seigneur nous a envoyé? Ah oui. Là, on doit le louer et le glorifier. On doit le glorifier, c'est vraiment... Amen. On ne s'attendait pas à ça, mais c'est génial. Je suis ta corps, à partir d'aujourd'hui, rien ne peut plus nous séparer. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody go gâté, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer. J'ai mis du temps à te trouver. Ton toi et moi c'est barré collé. Donc laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Et de Caroline Gay, ingénieur informatique
domicilié à Abidjan, Côte d'Ivoire, Riviera 3, sa mère, village SS, d'autre part, nulle part. Et Jessie Emmanuel Lafourcade, née le 3 août 1989 à Yaoundé, Cameroun, spécialiste de communication, domicilié 38 rue de l'Arbalète à Paris, 5e arrondissement, fils de Christian Lafourcade et de Berthe Marie Jambon, microbiologiste, domicilié à Paris, 5e arrondissement, 38 rue de l'Arbalète, d'autre part. Les futurs époux ont déclaré qu'il n'a pas été fait le contrat de mariage. Pour la lecture des comptes, vous levez, s'il vous plaît, que les futurs époux. Article 212. Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient à l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Article 371-1. L'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant. Elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne. L'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Je vais naturellement, avant de procéder à vos consentements, remercier donc peut-être des personnes qui nous écoutent sur Zoom. Je sais que le Cameroun est peut-être présent, que le Sénégal est peut-être présent et que la Côte d'Ivoire aussi est présente. Donc merci d'être là via peut-être en fin de compte vos smartphones. Je vais d'ores et déjà recueillir vos consentements. Cher Bernard Gaston Lecel Morena, souhaitez-vous prendre pour épouse Madame Jessie Emmanuelle Lafourcade, ici présente. Oui. Chère Jessie Emmanuelle Lafourcade, souhaitez-vous prendre pour époux Monsieur Morena Bernard Gaston Lecel, ici présent. Oh que oui. Unis par le mariage et je vous félicite. Bravo. On peut ? Ah ! Bernard Gaston Lecel Morena et Jessie Emmanuelle Lafourcade ont déclaré d'un appel pour pouvoir se prendre pour époux et nous avons prononcé au nom de la loi qu'ils sont unis par le mariage en présence de Rosemarie Joséphine Morena, Suzanne Alliance Elnombo, Lucien Antoine Fortes Sanchez et Rose Léocadie Chavoukio, témoins majeurs qui, lecture faite et invités à lire l'acte, ont signé avec les époux et nous Nazan Erol, adjointe à la maire du 5e arrondissement de Paris, conseillère d'arrondissement. Je veux t'épouser parce que je veux tout savoir de toi. Je veux connaître tes passions, tes peurs, qu'est-ce qui te garde éveillé pour mon ami et qui te motive à trouver mon argent. Tu es éternellement fascinante et j'aime tout ce que je sais de toi. Je suis convaincu qu'en grandissant ensemble, je ne pourrais que t'aimer davantage. Je te promets d'être patient, humble et toujours un peu mystérieux. À toujours te donner une raison de croire que notre mariage nous attend au prochain coup. Je te choisis pour être toi-même, à aimer tout ce que je sais de toi et tout ce que tu deviendras. Je te respecterai, je t'honorerai toujours, je te prends comme épouse, dans les larmes et dans les rires, dans la maladie et la santé. Je te promets de t'aimer et de te chérir dans ce jour, dans ce monde et dans la vie d'après. Thank you.
C'est notre quotidien. Bernard, depuis le jour où je l'ai rencontré, j'ai su que le Tout-Puissant m'avait assigné une mission spéciale, celle d'être à tes côtés et de devoir devenir ce que beaucoup qualifieraient en si peu de temps l'homme que tu es aujourd'hui. Cette bague est certes la preuve de mon amour pour toi, mais aussi l'illustration de la grâce que l'on a mis dans nos vies à travers nos prières, celles de ceux qui nous précèdent, ainsi que celles de ceux qui nous suivent. Ton amour me rend meilleure, il me rend plus forte. Je suis fière de t'appeler aujourd'hui mon mari et honorée d'être ta femme. Il me tarde de construire de beaux souvenirs avec Imani et toi, ainsi que nos deux familles réunies, que je peux désormais appeler ma famille. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, même en anglais, de façon française. Profitons-en au maximum, aujourd'hui, demain et pour l'éternité. C'est la vie, c'est le sucre. Je vous la souhaite belle et heureuse et mieux. Oh, merci.